Hébreux 12, verset 2. Jésus, chef et consommateur, sans chefier. Un chef, son dirigeant. Mais ça pas bon. Mais Jésus, il dit nous comme ça, c'est son chef. Un chef qui a drainé le monde derrière, mais pour qu'il conduit le monde dans le bon port. Dans la bonne direction. Sans consommateur. Sans consommateur. Au consommateur, son monde qui peut servir avec un produit, qui peut servir un bagage. Par exemple, le monde qui fait micro, m'a consommé micro parce que consommer pas seulement pour entrer dans le consommateur, non, tout le bagage qui peut servir ou son consommateur. Tout objet que m'acheter pour me servir, moi-même, je constitue un consommateur. OK? Nous comprenons, consommateur. Nous là? Ok. Nous disons, dans la forme de consommateur qui a parlé là, ce n'est pas parce que nous disons Jésus et nous disons Jésus, ça Jésus est son leader par excellence, son monde qui a influencé nous dans la bonne direction, et il m'a dit pour que nous capables de suivre, pas vrai? Et Jésus t'a dit ça. Soyez mes imitateurs comme moi je le suis. Ça, c'est le protocole qui dit ça. Soyez mes imitateurs comme moi je le suis du Christ. Je dis que Jésus, il est consommateur. Ça veut dire que Jésus, c'est lui-même qui vient avec la foi. Lui, son précurseur, son pionnier, lié dans le domaine ça.